Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fortnite. Nous sommes en mode section, vous voyez que j'ai encore choisi le mode rediffusion parce que je trouve ça très intéressant. Vous voyez nos adversaires, donc là mes coéquipiers sont en jaune. Donc moi je suis quand même en blanc, mais les coéquipiers sont en jaune. Donc j'ai deux coéquipiers sur les trois qui sont là, c'est Céline et Marco, que je ne connais pas. Et Yacino a dû choisir une autre destination. Et c'est un handicap quand vous êtes en mode section et que déjà vous connaissez pas les personnes. Et ben autant rester ensemble si vous voulez vraiment finir la partie, gagner, parce que après tout c'est le but du jeu. Le début de game est pas mal pour l'instant pour nous quatre. On n'est pas trop embêté, je monte un petit peu en PV, je pense ici. Je vais passer à 170. Yacino est déjà dans le rouge. Il a tué un adversaire, mais ça semble compromis pour lui. Surtout qu'il est loin, donc il n'y aura personne. Il est vraiment loin par rapport à l'équipe. Je pense qu'il n'y aura personne qui viendra le chercher. Il y aura peut-être Marco. J'ai l'impression que Marco s'en va. Ouais, il a pris un véhicule, il va sans doute tenter d'aller chercher Yacino. J'ai pris le PNJ avec nous. Ouais, j'ai un peu de sous, autant en profiter. Ouais, là, je dois changer mon arme. Elle va passer en vert, celle-là. Il me semble qu'on a un coffre normalement là, mais il n'y en a plus. Allez. Je décide quand même d'y aller un petit peu. Il y a Céline qui est pas loin. Elle a dû attendre un petit peu avant de rusher les personnes qui sont devant elle. Histoire d'avoir un peu plus de vie. Et vous allez voir que ça va rusher pas mal. Ça va attaquer de tous les côtés. Il y en a partout des adversaires. Ils sont 4 contre nous hein, quand même. 4 contre 3. Puisque il y a un PNJ. Enfin bon, il n'attaque que si je me fais attaquer. Je suis déjà plus qu'à 100 PV. Voilà, je l'ai bien eu celui-là. Je vais attaquer un peu par tout le monde. Le temps de recharge il est trop long sur ce pont. Je décide de changer. Allez bien. Allez, un petit coup, c'est bon. Vous voyez qu'au niveau de la vie, je suis plus qu'à 53 à ce moment-là. C'est quand même pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous tire dessus d'assez loin. Heureusement que je me remets un peu de vie en fait, parce que l'autre coco qui est là-bas, il va me retoucher, je crois. Je crois qu'à ce moment-là, Céline recharge ses armes. Elle change un peu. Difficile de savoir ce que fait. Oula ! Il y a du feu là. Il va me retoucher. Comment il a fait pour... Oh là là, il m'a bien touché là. Il m'a laser comme on dit. J'ai pas de soin du tout. Je me suis dit, oh putain, pas de soin. Alors vous inquiétez pas, je vais en trouver un peu plus loin. Là où se trouve Marco. Donc vous voyez qu'on n'a pas pu sauver notre ami Yacino, qui a voulu la jouer un peu solo. Bon, Marco aussi un petit peu. Mais bon. Je crois que ça a commencé à tirer au moment où je vais vouloir prendre la trousse de soins. Voilà. Je me souviens, j'ai une bonne mémoire.
Là, j'ai un peu de chance, c'est lui qui se fait attaquer, mon PNJ. Et là, l'autre, il me voit et il me re... il me retouche. Ça a servi à rien. Là, j'ai un peu de chance que l'autre, il détale, en fait. Mon PNJ m'empêche d'avoir mon quatrième kill. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah là, il fallait absolument la trousse, la bouteille. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? Oui. Marco est un peu plus haut. Marco a 4 kills aussi, j'en ai 3. Et Céline n'en a pas pour l'instant. Étonnant. Très bien joué, Marco. Je pense qu'il va essayer de prendre Céline au passage. On est encore dans la première tempête. Ça va encore. Il a dû voir que ça allait. Je ne suis pas retourné en fait. Je suis le VIP. Hein. Je suis derrière. Vous me voyez tranquille là sur la banquette. Marco et moi, on attend tous les deux. Voilà. Je crois qu'il me laisse le flingue, non? Ah oui, c'est étrange comme... Et là, je vais passer enfin à 200. Par contre, Céline est très mal. Et pour l'instant, on la voit plus du tout à l'écran. Oui, tu vas avoir besoin de moi pour gagner, Marco. Allez, Marco décide de me prendre quand même au passage. Un peu à cause de moi, on a perdu un peu de temps. Il faut bien le reconnaître. Par contre, j'aurais dû conduire. Oui, je me souviens ce qui se passe. Ouais. Vous allez voir que là, hélas, c'est pas que je vais pas être sympa, c'est que... on va plus avoir d'essence. Voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre le bateau. Marco arrive avant moi, il prend le bateau. Seulement, il sait pas s'en servir. Et il n'appuie pas sur la gâchette R1. Enfin, R1 pour ceux qui ont la PlayStation. Et il galère. Et du coup, on descend pas mal. Donc du coup, je m'en vais. Et il décide de s'en aller aussi. Je dis, chouette. Bah, reviens là. Et en fait, je peux plus. Je vais essayer d'attendre, mais ça va être 20. Et il va galérer dans la tempête. Et là, il doit se remettre du soin, mais ça va pas suffire. Si je me souviens bien. Et là, je suis encore loin, loin. Franchement, à ce moment-là, c'est un peu galère. Je me dis, c'est pas possible qu'on fasse top 1. Alors, est-ce qu'on va le faire? Bah, réponse bientôt. Vous voyez que Céline est carrément dans le rouge. Je me pose la question d'y aller ou pas, mais bon, j'ai plus que 9 PV. Hein. Et j'ai un adversaire. Et boum! Allez, un petit coup. Boum! C'est pas mal, c'est pas mal! Continue! Tu vas l'avoir! Encore touché! Allez! Il t'a pas touché, et là il meurt. Enfin, il est touché. Je suis même pas sûr à ce moment-là que j'avais une trousse de soins. C'est peut-être pour ça que j'ai pas... perdu pour perdu. Là, vous voyez que le gars, il avait quand même ce qu'il fallait en... Oh! Eh ben, dites-moi! Comment j'ai fait pour l'avoir, celui-là? Là, je vis avec 9 PV, quand même. Hein.
Donc là, Marco est dans la mouise. Je peux pas aller le chercher. J'ai qu'une seule trousse. Enfin, il me semble-t-il. Ouais, j'ai qu'une seule trousse. Ça descend trop vite. Donc je peux aller ni chercher Céline, ni Marco. Donc je finirai la partie tout seul. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il reste 3 autres équipes et 8 joueurs. Donc 7 joueurs si je m'enlève. Donc ça fait au moins 2 par équipe. Autant dire, ça risque d'être chaud pour mes fesses. Mais on va essayer de se débrouiller. Là, on arrive, on est en petit sommet, je me dis, là-haut, c'est quand même un peu dangereux, là-haut, il peut y avoir du monde, là-haut aussi, en face, dans la tour également. Je suis pas très bien placé, en fait. Là, on voit à l'écran, le violet qui est derrière la colline. Et là, je le vois. Petite touche. Là, je crois qu'il y est encore. Je m'aperçois qu'il était parti. Tire dessus, l'enfoiré. Est-ce que moi, je te tire dessus? Je suis avec mon arc, moi. Oh! Là, il m'a fait très très mal. Là, il perd pas mal de vie, là, quand même. Notez aussi que j'ai perdu le PNJ au passage. Donc je suis vraiment tout seul. Là, c'est vraiment méchant ce que je fais. Le tirer comme ça... Et là, faut que tu fasses attention, t'en as un autre... sur le côté et je peux pas le voir. Là, je le vois parce que on est en mode rediffusion pardon. Nous sommes plus que 6 et 3 équipes. Là, il est juste en face de moi. Oh. Ça s'attaque pas mal là, apparemment là-bas. Ah non, ils sont 3. 4, ils sont 4. Ils sont 4. Il y a juste le mec qui est en violet et qui est à côté de moi. Et les autres, c'est une équipe de 4. Et ils sont plus que 2. Deux teams. Donc moi, je suis tout seul. Il y en a un qui est dans l'eau. Vous voyez qu'il y en a un qui a dû prendre cher. Il a dû tomber. Je sais pas. Je sais pas, il tire des petites... Je vois pas encore. Allez, le voilà. Allez. Tu tires mal, là. Allez. C'est la fin. Victoire royale. Youhou. Une équipe de 4 quand même en face. Hein. Alors certes, il y avait la zone, mais quand même. Et ben voilà, c'était une belle victoire royale. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un joli pouce bleu. Il peut pas être moche, remarquez. Allez, on se dit à bientôt.